Bonjour tout le monde, voici votre horoscope pour ce week-end du 29 et 30 avril. Alors pour commencer, les Capricornes, un week-end romantique, ça vous dit? Vous pourriez très bien, vous les Capricornes, vivre ce genre de moment durant ce week-end. Les Verseaux, vous pourriez recevoir un appel pour faire un remplacement dans une entreprise dans laquelle vous y aviez travaillé en CDD il y a quelques mois, voire quelques années. Les poissons, vous serez amené à changer une certaine habitude et ça risquerait de ne pas trop vous plaire. Les béliers, votre humeur pourrait être mise à l'épreuve par une personne qui va vous taquiner, mais ça finira par vous agacer. Les taureaux, une décision d'ordre sentimental sera à prendre, soit par vous, soit par la personne avec qui vous avez un lien particulier, mais vous en serez aussi concerné. Les Gémeaux, il est temps de finaliser un accord, que ce soit dans la sphère familiale, sentimentale ou professionnelle. Des compromis auront été trouvés, alors pourquoi attendre? Cancer, travailler c'est bien. Penser aux autres l'est également, mais penser parfois à soi est nécessaire et c'est ce dont vous allez faire. Les lions, vous profiterez de ce week-end pour finaliser un dossier administratif ou entreprendre une démarche, comme par exemple la recherche d'un logement au vu d'un déménagement que vous souhaiteriez effectuer d'ici la fin d'année et plus particulièrement cet été si possible. Les vierges, vous avez tendance à vous limiter dans vos envies. Ce week-end vous permettra de vous lâcher un peu plus, peu importe ce que ça concernera, car ça sera différent pour chacun et chacune. Les balances, qu'est-ce que ça peut faire du bien de parfois prendre du temps pour soi, et c'est ce dont vous allez faire. Les scorpions, une amitié entre un homme et une femme, c'est possible, tout comme lorsque ces deux personnes font une sortie sans aucune ambiguïté. D'ailleurs, une sortie à la base proposée dans un cadre amical pourrait leur permettre de se rapprocher de façon prévue ou pas. Et pour finir, les Sagittaires. Le week-end se compose principalement de 2 jours, sauf pour les personnes en week-end, le jeudi soir. Et ces 2 jours, ou une partie du week-end, seront mieux passés à deux. Et c'est ce qui pourrait vous arriver à vous, les Sagittaires. Voilà, c'était votre horoscope de ce week-end du 29 et 30 avril. Je vous souhaite de passer une bonne journée.